Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerecupèremonex.com. Nous allons voir aujourd'hui 4 SMS ultra puissants pour récupérer son ex. Je vais vous donner les modèles dans un instant, vous aurez plus qu'à les copier-coller. Retenez bien une chose, c'est que vous devez les adapter à votre style. C'est-à-dire qu'en gros, si votre style c'est plutôt de mettre des smileys de partout, c'est d'écrire en mode avec des E ou des AIS ou des EZ ou des ER ou des espaces ou des tout attachés ou des majuscules, utilisez votre propre style à vous. Donc vous prenez cette base et derrière vous en faites vos propres SMS. Alors, vous devez le savoir et j'en parle très souvent, je parle d'une technique pour récupérer son ex qui marche très très bien, qui s'appelle la fausse amitié. En gros, ça consiste à revenir de manière amicale dans la vie de notre ex, de manière ensuite à s'immiscer dans sa vie, puis après ça, à remettre en place un plan de séduction. On est forcé de passer par une phase amicale avant de se remettre ensemble. Donc la fausse amitié est une excellente stratégie, je vais vous dévoiler tout de suite les 4 SMS qui permettent d'y arriver. Je sais que beaucoup d'entre vous font des silences radio, et puis d'ailleurs, ils n'ont pas forcément d'idée d'SMS à renvoyer pour couper ce silence radio. Je sais aussi que certains d'entre vous ont déjà coupé ce silence radio, et après ça, ils n'arrivent pas à aller plus loin derrière. Donc ces 4 SMS permettent tout simplement de revenir dans un mode amical. Je vais vous avouer quelque chose de très intime, on m'a déjà envoyé ces SMS dans ma vie et pourtant ça fait 10 ans que je suis expert dans les relations de couple et les récupérations d'ex et pourtant ça a fonctionné sur moi, donc c'est quand même le signe que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Si même le mec qui gère le site récupèremonex.com s'est fait avoir par ça, ça veut dire quand même qu'il y a une espèce de grosse puissance derrière ça et j'ai vraiment rien vu venir. Tout premier SMS, je vous le mets sur l'écran juste ici là. Ça consiste à envoyer un hello, comment vas-tu? Alors comment vas-tu, c'est la phrase de base. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé ou ça fait un bout de temps tout court. J'espère que tu vas bien, bise. C'est juste un SMS de reprise de contact qui est censé voir si en face notre ex est réceptif ou pas. Est-ce que notre ex va nous parler ou est-ce que notre ex va nous envoyer promener ou est-ce que notre ex va rien dire du tout? De temps en temps, ils répondent gentiment, donc ça c'est déjà bon signe, ça veut dire qu'on est passé au-dessus du silence radio, qu'on a réussi à démarrer quelque chose. Et puis de temps en temps, ça ne donne absolument rien, parce que l'ex est trop fâché, l'ex est trop loin, etc. Dans le cas où votre ex n'envoie pas de message, vous avez le droit d'en envoyer un second le lendemain. Le second, je vais vous le lire et je vais vous le copier juste en haut à droite. Ce second, c'est « Est-ce que tu boudes ?» ou alors « Tu boudes ?» Si tu es fâché après moi, je le comprends tout à fait. Le mot « bouder » est un terme que j'aime beaucoup utiliser dans la reconquête amoureuse parce qu'il fait référence à un acte enfantin. On ne dit pas « est-ce que tu es vexé ? Est-ce que tu me détestes ? Est-ce que tu me haïs ? Est-ce que tu veux me tuer ?» Non, on dit « est-ce que tu boudes ?» Bouder, c'est un terme mignon qui rappelle un petit enfant qui boude dans un coin, donc j'utilise très souvent. Et là, on est dans la compréhension « si tu es fâché après moi », donc on se met à la place de l'autre. Dans ce cas-là, je le comprends tout à fait et je l'accepte. Bise. Donc là, on est dans un second message qui devrait en principe déclencher une réaction, mais il y a des fois où c'est pas le cas. Il y a des fois où l'ex est vraiment encore trop fâché pour répondre à tout ça. Et dans ce cas-là, on va aller encore plus profondément dans les messages amicaux. Le message d'après, c'est « En fait, les moments qu'on passait ensemble à discuter me manquent. Pas en tant qu'amoureux, mais en tant qu'ami. » Donc là, on montre bien qu'on n'est pas arrivé dans un plan de reconquête, de conquérant pour se mettre ensemble, parce que qu'est-ce qui se passe au final? Notre ex s'attend à ce qu'on fasse un mouvement, s'attend à une stratégie de notre part pour le récupérer. Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on envoie un SMS, il bloque. Il se dit là, si jamais j'y vais, si jamais j'accepte, mon ex va essayer de me récupérer. Donc il met, par défaut, il met une carapace devant lui. Si jamais maintenant on arrive avec ce genre de message où là, typiquement, on lui dit que on a un lien ensemble, on avait un lien d'amoureux, mais finalement on a un lien d'humain qui nous manque. Et ce lien d'humain, c'est qu'on était quand même des bons amis, on avait quand même des bonnes discussions, et ces moments nous manquent. Donc là, on précise bien, ce n'est pas en tant qu'amoureux ou en tant que c'est pas pour te reconquérir que je fais ça, c'est juste en tant qu'ami, ça me plaisait beaucoup lorsqu'on se parlait ensemble, et c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui. Donc là, on montre vraiment la nouvelle stratégie dans laquelle on est arrivé, et en principe, ça, ce SMS-là, alors les deux premiers mettent dans le bon état, en général, il n'y a pas forcément de réponse, mais le troisième jour quand on renvoie ça, et ben l'ex en face se décide et renvoie un petit SMS, et dit oui, ok, ben, ça va bien, etc. Si jamais ce n'est pas le cas, et moi je me suis fait avoir sur le quatrième message. Le quatrième message, on change complètement de sujet. On envoie quelque chose de drôle, quelque chose de rigolo, quelque chose de l'actualité. Là en l'occurrence, je vous ai mis une petite photo, je suis un geek, mais je me soigne et j'ai marqué en dessous, au secours, voici un cadeau qu'on vient de m'offrir, avec 3 petits smileys qui rigolent. Pourquoi est-ce que j'ai envoyé ça? Parce que je ne veux plus être dans le pourquoi tu me détestes, pourquoi est-ce qu'on se parle plus, etc. Là, je prends son silence pour un oui silencieux et j'enchaîne directement sur un discours amical. Et donc là, on en est au quatrième SMS et au quatrième jour. Alors,
Si jamais par chance votre ex vous a répondu avant, dans ce cas-là très bien, entamez simplement sur un discours amical, arrivez dans ce qu'on appelle depuis le début la fausse amitié, et puis bah enchaînez dessus et devenez encore une fois son ami. Donc en gros, envoyez le même type de message jusqu'à ce que vous arriviez à avoir des rendez-vous avec votre ex et jusqu'à ce que vous arriviez après ça à ressortir ensemble. Si jamais cette séquence SMS ne marche pas, ce qui est possible, parce que votre ex est très très fâché, parce que votre ex s'est remis en couple avec quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, vous attendez 15 jours, un mois, et puis vous recommencez avec le même type de séquence. Alors vous prenez d'autres mots, si jamais vous le souhaitez, mettez-moi un petit message en dessous, je vous mettrai d'autres types de séquences qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celle-ci, mais en gros, on reprend toujours le même modèle, c'est le premier, coucou, qu'est-ce que tu deviens, ou alors j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, ou alors tiens, en fait, est-ce que tu savais qu'ils sont au cinéma, blablabla, et tiens, bah, je pense que t'es encore fâché, je suis désolé de t'avoir importuné, bise au fait, Eric me parle de toi, etc. Donc on reste toujours sur des messages amicaux, et je peux vous dire quelque chose, si jamais la première séquence ne passe pas, la deuxième passera, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, ce sera plus qu'une question de temps, et il y a forcément un moment donné où votre ex va se dire, ok, j'ai quand même un ex avec qui j'avais des différends, aujourd'hui il revient en mode super cool, on peut vraiment se parler ensemble, et au bout d'un moment il y a un message qui va faire tilt, il se dit ok, ça c'était vraiment drôle, et je vais lui répondre dessus. Donc voilà, la fausse amitié, vous l'avez compris, c'est une stratégie qui marche d'enfer, donc n'hésitez pas, allez-y à fond là-dessus, ça peut pas faire de mal, vous n'avancez pas vos cartes, vous ne découvrez pas votre jeu en disant que vous êtes amoureux, là non, vous revenez juste en tant qu'ami. Et puis si jamais vous voulez plus d'infos, je vous rappelle qu'il y a du coaching avec moi, tout en haut en cliquant à droite ici, ou alors dans la description de la vidéo. Et dans tous les cas, un grand merci pour votre fidélité. On est plus de 8000 sur la chaîne depuis hier abonnés, donc c'est gigantesque. Abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Mettez-moi un petit like et mettez-moi des commentaires si vous avez des questions. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Salut à tous!